Bien le bonjour. Alors récemment, j'ai appris qu'Alison Mack, vous savez, c'est la blonde qui est amoureuse de Clark Kent dans Smallville, était accusée d'être la numéro 2 de Nexium, une secte qui pratique notamment de l'esclavagisme sexuel et qui aurait énormément de personnalités influentes en son sein. Alors vu que quand j'étais petit, j'étais un fan de Smallville, bon ça va, hein, j'étais très jeune, et que j'étais un petit peu amoureux d'elle et que je comprenais pas pourquoi Clark Kent préférait Lana, bah, je suis un petit peu choqué d'apprendre ça, j'en avais pris connaissance il y a une année, mais il y a de nouveaux éléments dans l'affaire. Du coup, on va s'intéresser à son parcours précisément lorsqu'elle rejoint la secte, on va parler évidemment de Nexium, qu'est-ce que c'est que cette secte, et essayer de comprendre comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Tout commence avec Keith Raniere, qui est le fondateur et le gourou de la secte. En 1998, il fonde ESP, qui est l'acronyme de Executive Success Program, qui est une organisation basée sur le développement personnel. En 2003, ESP, fort de son succès, devient Nexium, et Keith implémente son organisation dans plusieurs villes des États-Unis, notamment dans la ville d'Albany où se trouve son QG, mais également au Canada et même au Mexique. L'organisation consiste principalement à donner des conférences et des séminaires sur le développement personnel, et le tout est accessible à prix d'or, puisque les cadres font parfois jusqu'à 25 000 $ par jour. C'est une organisation qui fonctionne un petit peu de manière pyramidale, elle essaye d'attirer des membres fortunés qui vont payer très très cher leurs droits d'accès pour à leur tour bénéficier des enseignements de développement personnel. La mécanique est bien huilée, mais cette petite société secrète va très rapidement plonger dans la dérive sectaire. Keith fonde une autre branche de Nexium qui est appelée DOS, D-O-S. C'est un genre de sororité car tous les membres sont des femmes, et une relation maître-esclave est mise en place. Ouais, ça commence un petit peu à devenir bizarre, là. C'est plus ou moins à ce moment-là que Keith va faire la rencontre d'Alison Mack. Et d'ailleurs, elle est introduite dans la secte par Christine Kirk, qui est également une autre actrice de Smallville, c'est elle qui joue Lana. Christine l'invite à suivre un séminaire qui est mené par Nancy Salzman, qui est la cofondatrice de Nexium. Et à ce séminaire, elle rencontre Sarah Bronfman, qui est l'héritière de Seagram. Et Seagram, c'est l'ancienne plus grande entreprise de distillerie au monde. C'est dire si on parle de personnes haut placées, et Sarah emmène voir Keith Raniere, qui promet à Alison de l'aider à devenir une excellente actrice. Alors on commence à avoir un schéma qui se dessine, hein, parce que Keith, même si c'est un gourou, c'est surtout une personne qui inspire la confiance, et qui se veut en tout cas comme la plupart des meneurs de secte, extrêmement charismatique. Et Alison, comme d'autres, tombe directement sous son influence. Elle et Keith deviennent très très proches, et il décide de confier la nouvelle branche qu'il a créée à Alison. À ce moment-là, elles sont dans une optique de développer cette branche pour qu'elle gagne en influence et du coup en pouvoir. Alison et Christine vont traîner ensemble un moment pour essayer de recruter des étudiants. Dans la ville d'Albany, elles vont traîner avec Sarah Edmondson, qui est une actrice canadienne, et Nikki Klein, qui est une autre actrice qui a notamment joué dans Battlestar Galactica et qui est également l'épouse d'Alison Mack. Tous ensemble, ils vont essayer de recruter des étudiants en passant par le biais de sondage qui redirige eux-mêmes vers un site qui est affilié à Nexium. Elles parviennent à récolter les informations personnelles de certains d'entre eux et à gagner leur confiance. Leur branche prend forme et Alison Mack se démarque rapidement en tant que meneuse. Elle fait passer leur mouvement pour une organisation féministe géniale qui galvanise la condition de la femme. Et elle se sert de cet argumentaire pour essayer d'aller recruter d'autres actrices, comme par exemple Emma Watson, mais sans succès. En parallèle, certaines personnes, dont Christine Kirk, quittent la secte et se détachent complètement du mouvement, si bien que leur application aujourd'hui reste assez floue. Les procès sur la secte sont encore en cours, et du coup, pour reconstruire le fil des événements, nous avons soit les témoignages, soit les documents qui ont été récoltés par les journalistes. Quoi qu'il en soit, le temps passe, et Alison a une attitude de gourou manipulatrice. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est elle-même manipulée par Keith. Même s'il ne le dit pas, c'est évident en s'intéressant à cette affaire qu'il la manipule pour utiliser sa notoriété, sa célébrité, et sa bonne image pour recruter des gens pour sa secte. Ça aurait pu s'arrêter là, seulement voilà. Des dizaines de femmes fragiles psychologiquement, un petit peu perdues ou simplement en quête de sens, rejoignent la nouvelle branche DOS de Nexium. Alison récolte des informations, mais surtout des photos compromettantes sur les nouvelles recrues, pour avoir l'ascendant psychologique sur elles et les forcer à rester dans la secte. Ce n'est pas tout, elles vont également subir des sévices. Les recrues sont marquées avec un stylo à côté risé pour montrer leur dévotion au mouvement. Les initiales de Keith Raniere et d'Alison Mack sont gravées sur la peau des victimes. Et elles subissent des abus sexuels, physiques et psychologiques, en plus de servir régulièrement d'esclaves sexuels pour Keith. Elles sont abusées, prises en photo nues,
et vont même jusqu'à être affamés. Sarah Edmondson, qui est épaulée au départ Allison, finit d'ailleurs par quitter la secte après avoir été marquée. Bon, arrivé à ce moment de la vidéo, et je dis ça avec une cruelle ironie, mais Allison Mack rejoint son propre mur des bizarreries. Et pour justifier les pratiques de cette secte, hein, je me suis renseigné, il n'y a pas de croyances paranormales ou fantastiques, hein. Juste de la manipulation psychologique et perverse. On leur promet d'adhérer à une grande cause, de les rendre meilleurs, de donner un sens plus grand et plus profond à leur vie. Et ce discours est dispensé par une personne connue, respectée. Cela crée un effet de halo qui donne une impression sympathique de la personne et qui donne de la crédibilité à son discours. Et l'effet de halo, c'est sûrement le biais cognitif principal qui persuade au départ les victimes qui tombent sous l'influence de la secte. Secte qui, sous couvert de les aider à devenir de meilleures personnes, n'en a en réalité qu'après leur argent. Et Nexium fonctionne comme la plupart des sectes. Les victimes sont progressivement isolées de leur entourage, subissent une manipulation psychologique de leur gourou ou d'autres membres influents de la secte, et ils s'abandonnent de plus en plus à leur nouvelle organisation. Et Nexium, sous couvert d'une sororité féministe, a servi les femmes. C'est en 2017, en pleine affaire Weinstein, que la parole se libère autour de Nexium. Des femmes commencent à témoigner, à parler de l'organisation, de leur gourou, mais surtout du rôle très important que jouerait Allison Mack là-dedans. En novembre 2017, on accuse Allison d'être une recruteuse d'esclaves sexuels. Au printemps 2018, Keith s'est arrêté dans sa villa au Mexique. Il est alors en compagnie de plusieurs femmes, dont Allison. Allison est donc arrêtée, et elle est à présent accusée d'être la numéro 2 de l'organisation. Elle est finalement libérée après le paiement, tenez-vous bien, d'une caution de 5 millions de dollars, et en juillet 2018, elle est à nouveau arrêtée avec de nouvelles charges. Corruption, vol d'identité, extorsion, esclavagisme et travail forcé, trafic sexuel, blanchiment d'argent, fraude informatique et obstruction à la justice. Le 9 avril 2019, elle plaide finalement coupable pour deux chefs d'accusation, lesquels sont association de malfaiteurs et extorsion. Et puisqu'aux États-Unis les peines sont cumulables, elle risque jusqu'à 40 ans de prison. Mais elle évite cependant toutes les autres accusations, y compris celles qui la rattachent à l'esclavagisme sexuel. Son verdict sera rendu le 11 septembre prochain. Et le procès de la secte Nexium de Keith et de Nancy s'ouvrira le 29 avril, ou a déjà eu lieu si vous regardez cette vidéo après cette date. Il est donc possible qu'un accord ait été trouvé avec les autorités et qu'Allison risque bien moins pénalement parce qu'elle accepterait de coopérer et probablement de parler et livrer des noms. Et l'avenir nous dira donc si elle permettra ou non de lever un petit peu le voile sur cette secte dont le fonctionnement sordide en tout cas reste encore très opaque, et y compris pour les gens qui en font partie et y jouent un rôle criminel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Allison regrette. Au procès, elle déclare qu'elle a vécu une année d'introspection. Au cours de ces 10 années au sein de la secte, elle avoue avoir menti sur son organisation et avoir fait chanter les membres de sa branche grâce à des garanties. Les garanties font évidemment référence aux photos qu'elle avait à sa disposition, y compris les nombreuses informations qui permettaient de faire chanter ses victimes. Elle déclare qu'elle pensait rejoindre une communauté pour donner un sens plus profond à sa vie. Elle voulait faire le bien et aider d'autres personnes. Elle dit qu'elle croyait fermement au discours de Keith, mais qu'elle s'est finalement trompée. Elle a conscience de ses actes, et c'est pourquoi elle plaide coupable. Le procès à venir de Nexium va sûrement nous en apprendre un petit peu plus sur les ramifications de la secte. Quoi qu'il en soit, le portrait désenchanté d'Allison, qui est bien né, vient d'une bonne famille aux origine européenne, qui a suivi un parcours remarquable ou en tout cas remarqué, nous fait comprendre que souvent, les gens en viennent à rejoindre des causes horribles pour se trouver un but, une raison de vivre qu'ils défendront coûte que coûte. L'argent, elle l'avait. La réussite, la reconnaissance, elle l'avait. Elle bénéficie en théorie de tout le confort matérialiste que notre vie a à offrir. Mais elle recherchait probablement quelque chose d'autre, plus spirituel, ou en tout cas, elle se cherchait psychologiquement. Et Keith a profité de sa période de doute pour la manipuler et la transformer à son tour en manipulatrice criminelle. Et si son chemin de vie est assez regrettable, il ne faut pas oublier les véritables victimes de Nexium. Ces femmes qui pensaient rejoindre une cause féministe, portées par une actrice qui a marqué une génération, et qui se sont retrouvées sous la coupe d'un gourou aidé d'une star déchue, qui les traitait comme des objets et qui a sûrement détruit des dizaines de vies psychologiquement, en plus de profondément affecter leur entourage. Rien ne pourra leur faire oublier les sévices qu'elles ont subis. Et il y a un autre point qui m'a alerté et qui est assez dérangeant, je trouve. Les réseaux sociaux. Pour préparer cette vidéo, j'ai analysé le compte Twitter d'Allison Mack ainsi que son compte Instagram. Et déjà, ce qui me frappe, c'est qu'elle continue de poster comme si de rien n'était depuis le début en fait de l'affaire, quand l'affaire a éclaté en 2017. Faut bien se dire qu'au tout début de l'enquête, il y avait énormément de rumeurs qui circulaient. Après, vous connaissez Internet en plus, on donne une info, elle est amplifiée, elle est reprise par des gens, elle est modifiée. Du coup, alors que le procès n'avait pas eu lieu et que techniquement elle était innocente, eh ben elle avait déjà l'image d'une criminelle, puisque les gens sur les réseaux sociaux l'accusaient d'être esclavagiste, d'être pédophile même. Mais elle, non, elle continuait vraiment de poster comme si de rien n'était. Et du coup, il y a deux choses que je trouve vraiment assez malsaines. Déjà, c'est son comportement à elle. La moindre des choses, quand on est exposé comme ça, et surtout qu'on sait en fait qu'on a fauté, c'est tout simplement de se taire, quoi. T'es une personnalité publique,
t'as fait des choses aussi horribles. Après, ça dépend du jugement de chacun, mais bon, voilà, il y a une justice qui est là pour décider si oui ou non elle doit aller en prison pour X nombre d'années. Du coup, il faut laisser faire la justice, mais quand t'as causé autant de tort, la moindre des choses, c'est juste de te taire et rester dans ton coin. Et justement, à côté de ça, ce qui est chaud, c'est le déferlement de violence, en fait, des internautes qui littéralement lui souhaitaient la mort, lui souhaitaient de brûler, lui souhaitaient également de se suicider, s'en prenait également à ses proches parce qu'il y a pas mal de photos où elle est avec sa mère notamment. Alors en fait, ça m'a un petit peu dérangé de voir ce déferlement de violence des deux côtés. Violence psychologique pour Allison qui continue de poster ses trucs comme si de rien n'était alors que bah, elle est quand même accusée d'être une criminelle même si elle n'a pas encore été jugée. Et à côté de ça, les internautes qui se défoulent littéralement sur tous ses posts en lui souhaitant la mort. Ça fait un petit peu bête de foire honnêtement et je comprends pas pourquoi ses comptes sont encore ouverts. En tout cas, pour le moment, vu comment aux États-Unis en ce moment, elle est au centre de l'attention. Le mieux qu'elle pourrait faire pour elle ou pour les autres, c'est tout simplement de suspendre temporairement ses comptes, voire même de les supprimer. Parce que ce qui est sûr, c'est que même si derrière ça, elle arrive à avoir plus ou moins une vie normale si elle fait pas trop d'années de prison, on vit à l'ère du numérique et les gens n'oublieront pas. Surtout pour une actrice qui a marqué une génération comme elle. Voilà, et vous n'êtes pas sans savoir que la dérive sectaire détruit beaucoup de vies. Celle de la victime, bien entendu, mais aussi celle de son entourage. Si vous avez dans votre entourage une connaissance qui fait partie d'une communauté qui est sujette à des dérives, il y a la Miviloude en France qui est grosso modo un organisme de contrôle des sectes que vous pouvez alerter pour ne pas laisser la victime dans son isolement. Voilà, je voulais vraiment comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire parce que j'étais choqué de voir qu'une personnalité qui m'avait marqué était impliquée dans des affaires aussi sordides. J'ai toujours du mal à comprendre comment elle en est arrivée là et comment elle a pu prendre du plaisir en fait à soumettre toutes ces femmes parce que je pense quand même qu'elle devait au moins tirer un minimum de plaisir de la position qu'elle avait. Mais bon, si jamais vous voulez en découvrir plus, comme d'habitude, il y a plein de liens en description pour poursuivre votre enquête. Il y a également les procès qui vont très bientôt se dérouler aux États-Unis. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche, vous connaissez le discours, mais c'est vraiment très important de le faire à l'heure où YouTube ne nous met plus du tout en avant. Et moi, je vous dis salut, ciao ciao. Et si t'es encore là, je te remercie et je voulais te dire que tu pouvais me soutenir gratuitement en visionnant des pubs sur mon compte Utip, le lien est en description, ça m'aiderait beaucoup puisque mes vidéos sont systématiquement censurées ou démonétisées à cause du sujet que j'aborde. Merci beaucoup.